C'est la première fois de l'histoire de Risoul que le Tour de France s'arrêtera à Risoul. Alors en fait, à l'initiative de notre maire Max Brémond, on a souhaité que les écoles puissent vraiment découvrir le Tour de France, découvrir les coulisses du Tour de France. Donc c'est pour la deuxième reprise qu'on fait une petite présentation aux enfants de l'école de Risoul des coulisses du Tour de France et de son organisation. Est-ce que vous avez des questions par rapport au Tour de France à Risoul ? Ils passent de partout dans la France ? Ça dépend, tu vois, même cette année ils partent au-delà de la France, ils partent d'Angleterre. Mais sinon ils essayent tous les ans ou tous les deux ans de passer dans tous les départements de France. Très très bonne question. Pourquoi ? Parce que quand tu fais du vélo, il y a une chose qui est très importante, c'est pas que la route, si elle est montante ou pas, il y a aussi le vent en fait. Quand tu avances en vélo, ce qu'on appelle la pénétration au vent, tu passes dans le vent en fait. Et quand tu mets tes fesses ici, que tu as les mains en bas, tu es plié pour que le vent il puisse passer au-dessus de toi comme ça. Quel type de questions posent les enfants en général ? C'est très très vaste, hein. Ça va autant du grand sujet qui est tabou du dopage, puisque pour eux il y a ce tabou qui est levé, mais jusqu'à une question toute bête qu'on a eue aujourd'hui, qui est pourquoi on ne fait pas le tour entier de la France. C'est-à-dire vraiment une question assez vaste. C'est fait pour tenir la jante qui est autour en fait.